À 18h, une patrouille de militaires qui se trouvait dans le cadre du plan Vigipirate a été sauvagement agressée par un individu qui a porté des coups de couteau à la nuque de ce militaire. De ce fait, ça saignait abondamment, ça a été très spectaculaire. Il a été soigné dans le central RATP où, après les pompiers, l'ont conduit à l'hôpital Percy du fait de sa fonction. Nous, on pense clairement que c'était dirigé contre sa fonction de militaire et à ce titre, nous nous heurtons contre ce genre de procédé. On en a marre que tous les dépositaires de l'autorité publique soient pris pour cible. Il s'est enfui. Alors, sur le signalement, ça diverge un petit peu. Il y en a qui disent qu'il est grand, qu'il a un pull beige, ou qui disent qu'il aurait eu une tunique blanche avec des baskets. Néanmoins, tout le haut est pris sous surveillance, on arrivera à l'identifier.